Les pads de performance du Prime 4 représentent un outil redoutable pour compléter votre créativité en cours de mix. En mode Hot Cue, les pads vous permettent de déclencher différentes sections de votre piste et de passer de l'une à l'autre. Ces points Cue peuvent être positionnés en amont via le logiciel Engine Prime, Mac ou PC ou en direct pendant que vous jouez, en appuyant sur l'un des 8 pads à l'endroit souhaité. Le point Q sera positionné en fonction du réglage de quantification que vous aurez sélectionné dans les préférences utilisateurs. Pour des performances non quantifiées, l'option peut être momentanément désactivée en appuyant sur la flèche centrale du bas de l'écran tactile et en appuyant sur l'icône de quantification. Pour effacer un point Q, maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur le pad correspondant. En appuyant sur la touche de sélection Loop, les 8 pads passent en mode boucle enregistrée. Chaque pad peut déclencher une région de n'importe quelle longueur jusqu'à 64 battements. Tapez sur un pad pour entrer le point de départ de la boucle, puis à nouveau sur son point de fin. Le pad clignotera pour indiquer que la boucle est active. Appuyez de nouveau pour la relâcher. Le rétroéclairage du pad devient alors statique. Vous pouvez également transférer une sélection de boucle automatique en appuyant sur un pad vierge. Pour effacer une boucle sauvegardée, appuyez sur la touche Shift et sur le pad désiré. Une seconde pression sur la touche de sélection Loop vous permet de passer en mode boucle automatique, vous donnant ainsi accès à la sélection de longueur de boucle prédéfinie. Avec le mode Roll, le signal audio peut être découpé en différentes longueurs de boucle, à la fois sur les temps, indiqués par les pads verts, et en triolet, indiqués par les pads violets. Notez que la piste en cours de lecture passe en mode auto-sleep lorsqu'elle se trouve dans ce mode Roll. En appuyant une fois sur le bouton de sélection Slicer qui s'allume en bleu, vous passez en mode Slicer, ce qui découpe les battements individuels d'une mesure en boucle active. Ce premier mode suit la timeline de la piste en continu. Les sections du Slicer peuvent être déclenchées par pad et les longueurs de boucle peuvent être divisées ou multipliées par 2 via les boutons de paramètres. Appuyez à nouveau sur le bouton Slicer, cette fois en vert, pour obtenir la même fonctionnalité, une boucle répétée de 2 mesures qui suit la timeline. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons à l'édition du Beat Grid.